participe à la émission Le Meilleur de la RDC. Mais il est temps d'identifier Moutounioso au travers Yama Atenaye, au travers Yama Lobanaye. Valeur Nini, Yachisekedi, Oyo Eza, Lelo, Delice Sanga Kolobake, Valeur Moko, Oyo Tshisekedi Azaki Nangonga, Delice Sanga Nazanango. Tu t'appelles comment? Bobo Tamaï. Comment s'appelle notre président? Vegeta. Papa. Umbala Kabila. Pour place aux alliés, au bandit comme il tourne à qui n'a ni à sima, na yo lingi na ni à sima. Ma belle yo moko sala ke pesa kamingi koleka. Mala mosali la kamboka. C'est ça inconvénient ya Congolais. Allié, balessier, nani atindi. Yo lingi nani atinda. Ok, kofinga. Kosilikate tango koyoka batangi boyo batangi oyo. Je ne suis pas là pour Kamoko, je suis là pour tout le monde. Merci mesdames et messieurs, merci Balandia, émission meilleure de la RDC. Merci Banamboka, toye bisakabino ke bisika information ezali biso tozalaka. Raison pour laquelle bomoni biso katina oyesika na ba nouveau immeuble donc nouveau bâtiment oyo ezali en face ya palais du peuple. Toye ko sala nini bana mboka toye awa epai wapi misala ya tripartite e bandi mokolo ya lelo ndenge basilaki kolobela yango eza epai wapi bana mboka oyo ya senta seni epi gouvernement basepeli pona ko bandela misala o wana kati na oyo esika mokolo ya lelo ezali mokolo oyo misala e bandi alors tozo zwana no maloba ya kati ya mwana mboka Joseph Olengankoy oyo azali président ya Senta pe azalaki pe oyo azalaki chargé ya misala yango alobi nini mokolo ya lelo toyokana s'il vous plaît. Début de la cérémonie, je vous prie de rester debout pour l'hymne national. Merci. Excellence. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, mesdames et messieurs, membres du bureau de l'Assemblée plénière du Conseil national de suivi et du processus électoral. Mesdames, messieurs les membres du gouvernement, monsieur le président de la Commission électorale nationale indépendante, mesdames et messieurs membres du bureau de la Commission de l'Assemblée plénière de la CENI, mesdames et messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, mesdames, messieurs, à vos titres et qualités respectives. Nous voudrions avant toute chose de nous excuser pour question de l'air, mais comme vous le savez dans nos invitations, on n'a pas marqué si c'est l'air de l'Est ou l'air de Kinshasa. On a juste mis l'air. Je tiens à m'acquitter
de l'agréable devoir de salut et de vous traduire la profonde gratitude des membres du CESA et la mienne propre pour avoir positivement répondu à l'invitation de participer à cette tripartite. C'est ça, gouvernement, CENI. Il vous souviendra qu'au terme de l'accord précité, plus précisément à son préambule infini, les acteurs politiques de notre pays ont pris leurs responsabilités devant Dieu, la nation congolaise, l'Afrique et le monde d'être guidés que par les consensus comme mode de prise de décision. Avant, pendant et après la tenue des élections pour l'honneur de notre peuple. En effet, dans le souci d'organiser les élections libres, démocratiques, transparentes et apaisées, gage de paix à la République démocratique du Congo. Les signataires de l'accord se sont engagés à respecter la constitution de la République démocratique du Congo, à former le gouvernement d'union nationale et à mettre en place un mécanisme de suivi de sa mise en œuvre appelé Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral. Ça, conformément au chapitre 2, 1, 3, 1 et chapitre 6 de l'accord. À cette nouvelle institution, les parties prenantes se sont précisément accordées de confier la noble et difficile mission de veiller au respect de l'accord politique pour tous les animateurs des institutions et d'en assurer le suivi ainsi que l'évaluation de sa mise en œuvre en vue de garantir la paix, la concorde, l'unité nationale avant, pendant et après les élections. Voir chapitre 6.6.2.3 de l'accord. Conformément à la volonté des partis signataires de l'accord du 31 décembre 2016, il vous souviendra surtout, c'est ça, de réaliser l'évaluation régulière du processus électoral, au moins une fois tous les 2 mois, avec la CENI et le gouvernement. Accord politique, chapitre 5.4 de l'accord. Avec ces derniers, afin d'harmoniser le vu quant à la réussite du processus électoral, c'est donc dans le cadre de cette difficile mission du CESA que s'inscrivent les présentes assises dont l'urgence et la nécessité ne sont plus à souligner ni à rappeler eu égard de la forte demande tant nationale qu'internationale pour l'organisation des élections libres, transparentes, apaisé dans notre pays. Ainsi, depuis la dernière tripartite du début de l'année 2018 et au-delà de l'immense et appréciable travail abattu par les institutions de la République, le CESA révèle la préoccupation suivante que les participants aux présentes assises sont appelés à examiner et à proposer des solutions à notre peuple. 1.
l'absence du consensus politique autour de la machine à voter. Contraire à l'esprit de l'avant-dernière ligne du préambule de l'accord. L'existence de 16% de 16% d'enrôlés sans empreinte digitale, telle que notée par l'Organisation internationale de la francophonie EF dans ses conclusions sur l'audit du fichier électoral. 3. Le défaut de prise en compte des corrections, des omissions, erreurs contenues dans la liste des partis et regroupements politiques publiés au journal officiel le 30 avril 2018, conformément au chapitre 4 de l'accord. Les non-libération de certains prisonniers politiques, d'opinion et amnistiés, contraire au prescrit du chapitre 5.1 de l'accord du 31 décembre 2016. Au chapitre 5, paragraphe 8, exige au gouvernement de la République démocratique du Congo, issu de l'accord, de poursuivre sans délai les mesures de décrispation politique et d'entreprendre concomitamment des démarches auprès des États et organisations internationales concernées en vue d'obtenir le lever des sanctions prises à l'encontre de certains de nos compatriotes. 5. Les règlements non satisfaisants de la question des cautions payées depuis 2015 pour les élections législatives provinciales. 6. Le dédommagement des personnes victimes de l'intolérance et des événements du mois d'octobre 2016, à savoir les familles des victimes et les membres du parti politique. À ces différentes préoccupations, je voudrais ajouter la question du rapatriement sur le sol de ses ancêtres, le début mortel du patriarche Étienne Tshisekedi Wamulumba. Ces dignes fils du pays qui méritent des obsèques nationales à la hauteur de son œuvre politique en faveur de la démocratie dans notre pays. C'est ici l'occasion d'exhorter le gouvernement de la République à matérialiser le plus rapidement possible ce vœu maintes fois émis par le président de la République, chef de l'État. J'en appelle donc à la hauteur de la responsabilité des uns et des autres afin de préserver la paix, la concorde nationale et la recherche du consensus dont le pays a tant besoin à ce moment crucial de notre histoire. De la sorte, les informations nécessaires que nous aurions recueillies ici nous permettront de communiquer à l'opinion tant nationale qu'internationale la vérité sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de l'accord et du processus électoral conformément au point 5, 2, 3 de l'accord. Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Excellences, Monsieur le Président Séni, Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, je déclare ouvert les travaux de la tripartite
du gouvernement CENI, gouvernement et CESA. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la CENI, que vive la tripartite. Je vous remercie. Comme nous l'avions dit, nous allons lancer les travaux en commission. Il y aura, je crois, trois commissions. Ou tel que prévu par la commission préparatoire, et que chacun de nous irait à la commission pour aller verser son savoir. Comme nous l'avons toujours dit, chers compatriotes, nous devons nous assumer et nous devons assumer notre destin dans la paix, dans la concorde et dans l'unité de notre pays. Nous traversons le moment très sensible. Nous devons prouver au monde que dans l'unité, nous pouvons surmonter ce qu'on pense qu'on peut se diviser pour des questions élémentaires. Le fondamental, c'est de rencontrer notre peuple dans ses besoins et dans ce qu'ils attendent de nous. Ceux qui vont aller à la commission doivent aller avec leurs intelligences, mais pas avec leurs humeurs, pour nous permettre de faire un atterrissage tant escompté par l'ensemble de notre peuple. Donc, dès aujourd'hui, les commissions commencent. Comme vous le savez, c'est un moment très difficile pour la CENI à cette période, parce qu'au même moment, ils sont ici, au même moment, ils doivent aller pour commencer aussi à lancer un autre processus d'harmonisation avec les magistrats, etc., sous forme de séminaire. Mais comme ils ont senti l'importance de cette tripartite, ils se sont fait violence à venir ensemble avec nous lancer les travaux. Voilà, madame, ce qu'il y a comme mot que nous pouvons ajouter. Merci. Messieurs et dames de la presse. Donc... Bana mboka na ndenge ya mwana musala na bino toujours to yebisaka bino ke esika information ezali tozali. Voilà bo sili kolanda oyo nyonso mulaina mukuse ya masolo ya mwana mboka Joseph Olengankoy oyo azali président ya Senta. Je crois misala oyo ebandi lelo tokozala na bino lisusu kati na oyo esika poto yeba na kopesa bino suite ya masolo ndenge ezali. Mais pona information na bino boyeba ke misala oyo ezali reparti na trois commissions. Commission ya liboso ezali oyo ezotala maponami, voilà oyo ezali kotala maponami. Commission ya mibale ezali oyo ezolandela de crispation politique na makambo mususu na ba commission mususu. Troisième commission ndenge bosili kolanda maloba ya mwana mboka Joseph Olengankoy. Mwana musala na bino toujours to yebisaka bino ke tozali wana pona ko servir bino. Mokolo ya lelo tosuki nanu awa tokokutanaka pona suite ya masolo oyo ekobimisa resolution nini. Botika la malam tomona nimba la sima. Merci Balandia, émission le meilleur de la RDC. Mais il est temps d'identifier mutu nyonso au travers ya acte na ye, au travers ya maloba na ye. Valeur nini ya Tshisekedi oyo eza le lot delice sanga kolobake valeur moko oyo Tshisekedi azaki na ngonga delice sanga na zana ngo. Tu t'appelles comment? Mama Tamayi. Comment s'appelle notre président? Bejita. Papa Mbela Kabila. Pour place aux alliés, au bandit comme il tourne à qui est nani à la cima, na yo lingi nani à la cima. Ma belle yo moko sala ke pesa kamingi koleka. Mala mo sali la kamboka. C'est ça inconvénient ya congolais. Allié, balessier, nani à tindi. Yo lingi nani à tindi. Ok, kofinga. Kosilikate tango koyoka batangi boyo batangi oyo. Je ne suis pas là pour Kamoko, je suis là pour tout le monde.